tous et bienvenue dans le Jazzophone pour les concerts de la semaine, une semaine très riche en concerts. On commence par les deux événements de la semaine, bien sûr, ce mercredi 24, le concert de Kyle Eastwood au Forum Nice Nord. Concert hélas complet. En première partie de Kyle Eastwood, il y aura l'International Jazz Collective, un conglomérat de musiciens venus de tous les horizons, France, Angleterre, Belgique, Pays-Bas, etc. Autre événement de la semaine, à la Galerie Motus, rue Louis Gassin à Nice, la sortie du numéro 3 du Jazzophone. Sortie de notre numéro 3, un événement qui sera mis en musique par le duo Selemnini au saxophone, Kevin Tardevet à la contrebasse. Ce mercredi, pour les orphelins de Kyle Eastwood, ils pourront se rattraper avec le trio du pianiste canadien Martin Roussel. Ça sera à la Galerie Depardieu, rue du docteur Guidoni à Nice. Ils pourront aussi aller au Chaco 5 rue Rossetti à Nice voir les Swingant Boogeymen. Les Boogeymen, un groupe de swing and jive qui fait toujours le bonheur des danseurs. Ce jeudi, Déborah de Blasi sera en compagnie de l'accordéoniste Fred Vial. Ça sera au Céramique Tabou, c'est dans le Vieux Nice. Au Jam, rue du commandant Rafali, il y aura la chanteuse Miss Jake qui fait du soul et du funk. À la Galerie Depardieu, ce jeudi 25, il y aura le Jussanam Trio, la chanteuse brésilienne Jussanam. Le trio de Laura Downs, la chanteuse Laura Downs accompagnée par Ruth Lévy Benseft à la contrebasse, sera au bar Le Cosma, c'est rue Sacha Guitry à Nice. Ce vendredi, il y aura au Jam encore Peter Thomas, chanteur américain de soul et de funk, et également batteur. Ce vendredi, il y aura à la Trinquette, espace Trinquette à Villefranche-sur-Mer, le trio de la chanteuse britannique Julie Jackson. Ce samedi 27, Déborah de Blasi sera à la Cave Romagnan, 22 rue d'Angleterre à Nice, en compagnie de Frédéric Vial à l'accordéon et de Kevin Tardevet à la contrebasse. Ce même samedi, vous pourrez entendre Laurent Sarien, qui ne sera pas à la batterie, mais au vibraphone, avec son Vibes Quartet. Ils seront à la Galerie Depardieu, rue du docteur Guidoni, à Nice. À Cannes, vous pourrez retrouver au restaurant Maître Renard le duo Zenia Ridley au chant et Eric Alberti au piano. Ce samedi 27, à Nice, au Chapeau, on retrouvera le trio du pianiste canadien Martin Roussel, Chapeau, 5 rue Rossetti à Nice. Et n'oublions pas, samedi et dimanche, la fête du château, la grande fête du château sur la colline du château à Nice. Il n'y aura pas que du jazz, bien sûr, mais il y en aura aussi, puisque nous retrouverons samedi le quartet de Pierre Marcus. Et dimanche, il y aura Nasrat El Afrit pour de l'afrobeat avec son band. Et bien sûr, le contrebassiste Mera Grazan sera aussi présent à cette fête du château avec beaucoup d'autres orchestres de reggae, de rock, de pop, etc. Ce dimanche, nous retrouverons Déborah de Blasi. Elle sera là en duo avec Selemnini qui sera au piano. Ils seront au Cellier des Trois Grâces, c'est rue Clément Roissal à Nice. Et ce dimanche encore, comme tous les dimanches, au Chaco, ça sera la musique brésilienne, la bossa nova et la samba du groupe Aquarela. Et nous terminerons ce lundi avec le trio de la jeune chanteuse Laura Downs pour du blues, de la soul et du jazz. Et encore une dernière date, ce mardi prochain au Chaco, le 30 donc, il y aura Claudio Cittarella en trio avec son guitare trio avec les guitaristes Donald Corcoran et Léo Gianola. Voilà pour les concerts de la semaine. Comme vous pouvez le voir, il y a pléthore. On se retrouve très bientôt. Bonne semaine, bon jazz, bon jazzophone. Numéro 3 cette semaine, ne l'oubliez pas. À 18h à la galerie Motus, rue Louis Gassin à Nice. Bonne semaine et à bientôt. Je ne suis pas
de celles, non pas comme elles, comme celles qui font la vaisselle, puis qui trient les poubelles si pleines de rituels, tout en me louvant dans tes sous-vêtements. Je ne suis pas de miel, moi je suis la belle. Je fais la belle, je ne patiente pas sagement. Je t'appelle pas tendrement, espère secrètement. Tu me donnes des enfants, non, pas comme l'autre. Moi, je boude tes messages, je râle tout le temps. Je reprends ton langage en protestant que la femme dans le fond, c'est super important. Là, t'es un peu fainéant, j'osse le ton, t'aimes pas le poisson. Tes raisons, ta morale me sont bien égales, car j'ai une dernière âme, je verse une larme, c'est ça le charme. Déjà sûr de l'effet de mes fesses, là je le confesse. Fait.